Bienvenue dans mon stand. Peut-être connaissez-vous déjà le mochi, ce dessert japonais à base de riz gluant. Mais saviez-vous que c'est un plat commun à l'Asie de l'Ouest, appelé mashu en Chine. Nous autres Taïwanais l'appelons moaji. Venez découvrir sa recette avec moi. C'est parti. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 500 g de riz gluant, 300 ml d'eau et un torchon ou un sac en toile, de la poudre de sésame, de la poudre de cacahuète, de l'huile et du sucre. La veille au soir, préparez 500 g de riz en le lavant bien, puis rajoutez 300 ml d'eau avant de le mettre dans le frigo pour une nuit. Le lendemain, mixez finement le riz pendant quelques minutes. Dans un saladier, préparez le torchon et versez dedans la préparation. Le principe, c'est d'enlever le surplus d'eau dans le riz. Donc si vous n'avez pas ce torchon spécial, ce n'est pas grave. Vous pouvez le faire avec un tissu propre. Il suffit juste de presser bien fort pour en faire sortir toute l'eau. Vous devez obtenir une pâte assez sableuse et consistante. Attention toutefois à ce que la pâte ne soit pas trop sèche. Cette étape est importante, car si la pâte est trop sèche, alors vos moajis seront rapidement durs. Au contraire, si la pâte est trop pleine d'eau, alors les moajis ne tiendront pas en place et seront impossibles à gagner. Ensuite, pendant que vous faites bouillir de l'eau, prenez un dixième de la pâte et formez-en des petites boules. Huilez une casserole pour y mettre la pâte tout à l'heure. Faites cuire 4 minutes les petites boules dans l'eau bouillante avant de les amalgamer au reste de la pâte. Ajoutez-y l'huile avant de bien mélanger à la main. Les petites boules cuites permettent à la pâte de devenir bien homogène et un peu élastique. Puis, une fois que la pâte est bien mélangée, faites cuire à la vapeur pendant 30 minutes. Pendant ce temps, préparez les poudres de cacahuètes et de sésame en les mélangeant du sucre. Une fois que le moaji est cuit, on peut commencer à faire la garniture. Mais attention de ne pas vous brûler. Prenez une petite portion de moaji, aplatissez-la dans votre main, et puis garnissez-la de poudre sucrée au préalablement préparée. Fermez bien chaque extrémité et roulez-la dans vos deux mains afin de former une belle boule. Avant de servir, roulez les moajis dans l'assiette poudrée. À table, c'est chaud. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager. Mettez un petit pouce bleu et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo.